Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Daniel. Bonjour Patrick. Actuellement, on le sait, le discours des dirigeants de pays ou de grandes entreprises ne cesse d'évoquer la nécessité absolue pour nos économies d'innover, de créer de nouveaux produits, d'imaginer de nouveaux services afin de maintenir la compétitivité, l'emploi et la croissance. L'objectif de cette semaine est de voir avec vous pourquoi l'innovation est aussi importante pour nos sociétés qui, il faut le reconnaître, connaissent aujourd'hui de nombreuses difficultés économiques. Mais il s'agira aussi de comprendre comment un pays ou une région peut favoriser et développer ses capacités d'innovation. Tout au long de cette semaine, nous présenterons les principaux concepts et outils que les économistes ont développés afin d'aider les acteurs économiques, c'est-à-dire les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises, dans leurs décisions en matière d'innovation. Dans chacune des vidéos, nous partirons d'une question simple que vous êtes peut-être déjà posée. La première question se veut provocatrice. Peut-on avoir une croissance économique sans innovation? Nous chercherons à comprendre en fait le lien entre croissance économique et innovation et constaterons que la création de richesses au niveau d'un pays est étroitement liée à sa capacité à créer de la valeur via des innovations. S'il est indéniable que les pouvoirs publics doivent intervenir, encore faut-il se poser la question du « comment peut-on stimuler les innovations dans un pays comme la France ?» Nous présenterons les principaux mécanismes utilisés de nos jours par les pouvoirs publics. La quatrième vidéo sera consacrée à la question de la protection des innovations que se posent de nombreuses entreprises, à savoir, faut-il protéger ou cacher ces innovations ? Nous expliquerons ici quels sont les principaux déterminants des stratégies des entreprises en la matière. Enfin, la dernière question est relative à la diffusion des innovations. Il s'agira de répondre à la question suivante. Une innovation ouverte peut-elle favoriser sa diffusion? On analysera si cette nouvelle forme d'innovation peut accélérer la diffusion des nouveaux produits ou des services innovants à tout le système économique, grâce notamment à sa capacité à prendre mieux en compte les opportunités de valorisation et les usages des consommateurs. À l'issue de cette semaine, vous aurez en main tous les éléments pour mieux comprendre le rôle de l'innovation dans la dynamique économique et surtout la nécessité de bien veiller aux conditions de création de nouvelles richesses dans notre société. Il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine, au revoir et à bientôt.